Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Evoland 2 sur PC. La dernière fois, nous étions arrêtés en ayant rendu la maquette de l'avion à la personne qui veut nous en créer un nouveau. Et là, je suis allé sur le promontoire où il y a la Sylve, la mère de Fina. Enfin, la grand-mère de Fina. Fina, tu l'as pas changée. Comment? C'est la première fois. Nous sommes déjà rencontrés lorsque tu es venu dans la forêt des Sylves. C'était il y a si longtemps, mais pour toi, c'est encore hier, j'imagine. Je me souviens pas. Oh, nous ne sommes pas beaucoup parlé. J'étais alors qu'une petite Sylve parmi tant d'autres. Mais après vous avoir vu, vous les humains, remplis d'espoir, bouillonnant de vie, j'ai voulu parcourir le monde moi aussi. J'ai donc quitté la forêt à jamais. Même si je savais que je ne vivrais pas longtemps en faisant ce choix. Et c'est comme ça que tu as rencontré Finrod? Oui, j'ai d'abord visité tous les lieux dont je n'avais qu'entendu parler. Le monde est si beau et fragile, chaque jour est si différent. C'était la première fois que je ressentais une telle liberté. J'ai fini par rencontrer ton grand-père, Finrod. Il a d'ailleurs été très surpris d'encontrer une Sylve. Bien des années plus tard, alors que ses dernières forces s'évanouissaient, il s'est rappelé qu'il avait promis à une jeune fille un peu folle que je la rejoindrais ici. Depuis ce jour, je t'attends. Oh, grand-mère, je suis désolé. Tout ce temps, tu étais ici et si proche. Je n'ai aucun regret, Fina. Certes, ma vie a été courte, mais en quelques années, j'ai ressenti plus de choses que pendant l'éternité que j'avais passée dans la forêt. Je suis seulement triste de devoir quitter ce monde. De ne pas avoir pu te tenir dans mes bras. De ne pas t'avoir vu grandir et être heureuse. De ne pas pouvoir t'aider dans tes aventures. Oh, grand-mère, mais tu m'aides. Chaque fois que j'utilise mon pouvoir pour aider Kuro, tu es avec moi. Merci. Merci, ma douce Fina. Merci, ma petite fille. Vis chaque jour comme si c'était le dernier. Oh putain, je sais pas, ça m'a fait penser à une chanson. Profite de chaque instant, car le temps passe vite. Je te laisse ceci, c'est mon cadeau d'adieu. La larme de Sylve. Oh mais... Adieu. Et voici une larme de Sylve. Donc nous allons faire une petite ellipse. Jusqu'à ce que... Attendez. Ouais, jusqu'à ce que je trouve quelque chose de nouveau d'intéressant. Allez, petite ellipse. Non, voici, je crois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Donc, pour expliquer, dans le futur, j'ai acheté la maison. En fait, normalement, le premier prix c'est 10 000. Mais si on refuse le premier prix, après il descend à 5 000. Et si on refuse encore une dernière fois, il descend à 500 gold. Donc, je l'ai acheté 500 gold de la maison. Et là, j'ai la clé. Et je suis allé à Genova après l'explosion, dans le présent, patati patata. Eh bien, regardez qui est là, Dolkin. Qui êtes-vous? Et que faites-vous chez moi? Oh, je vous reconnais. Encore ce cauchemar. Écoutez, je vais me réveiller, alors je voulais vous dire, encore une fois, combien je regrette, j'aurais dû. Vous écoutez, oui, vous écoutez. Je suivais les ordres. Je n'avais pas le choix. Tous est mort, par ma faute. Par ma faute. Si seulement... Si vous aviez eu la marque de confiance de l'empereur, comme moi, ma médaille, je ne la sors plus de l'armoire. Je ne la mérite pas. Partez. Ok, d'accord. Nice. Faudrait qu'il ait perdu de chance que c'est à cause de la guerre, Kuro. Ok, donc je vais refaire le tour de la ville et en même temps je vais le défier. Donc c'est parti, ellipse. Et me revoici, donc j'ai fait un tour à Genova, il n'y avait rien d'intéressant, donc on va aller refaire un tour à la forêt des Sylves. Sous cette période. Même si normalement rien n'a changé. Oui, rien n'a changé, comme je le pensais. Donc on fera la forêt des Sylves plus tard. Pour le moment on va juste faire le tour de toutes les époques. Puis après on fera les quêtes nécessaires. Donc là on va aller sur l'île de Démonia. Le logo de Shirogame est toujours là. Si c'est bien le logo, bien entendu. On sur cette île d'abord. Là il y a les ruines Maki encore une fois. On ne va pas les utiliser, bien sûr. Plein de sang. Oh.
J'ai l'impression que je peux passer à droite. Non, je peux pas aller plus loin que ça. Et à gauche? Non plus. Non, on peut pas. J'essaierai de regarder à mon avis des trucs secrets ici. Hein. Essayons d'avancer et d'aller jusqu'au bout pour voir s'il y a quelque chose. D'abord aller par là, puis ensuite aller au bout vers le château. Donc là, normalement, j'ai trois. Si je m'en sors bien, j'ai déjà trois, j'ai déjà trois objets nécessaires pour les 5 morceaux de clé. La ruine de Démonia. Démonia, entièrement détruite. C'est insoutenable. Je ne veux pas voir ça. Je vais aller lui parler. Mais vous les laisser seul. Y a-t-il point d'espoir d'un monde différent ? On pourrait dire ça, ça c'est comme ça. C'est juste un truc annexe. Ah, ça je le défierai plus tard. Pauvre démon. Aller au-dessus, d'accord. Voyons voir si je sors, que se passe-t-il. Partons d'ici. Menos. Okay. Est-ce que j'ai fait tous les endroits possibles ou pas? Il y a l'île pirate, mais l'île pirate, je la ferai plus tard parce que c'est la suite de la quête. Ouais, donc. Je refais une petite ellipse, on se retrouvera dans la dernière époque, vers un moment que je trouverai utile. Allez, ellipse. Et donc, me revoici, on se retrouve dans le futur, dans la vallée des vents, qui a bien changé depuis la dernière fois. Salut, c'est la première fois que je te vois ici, non? T'es nouveau, c'est ça? Pousse-toi un peu, je m'entraîne. Je veux devenir aussi fort que Kuro, le héros de notre village. Eh oui, Kuro, c'est moi, hein. Ouais. Qui est finalement mort. Ah, et grâce à ça, c'est devenu un village, ok. Je défierai plus tard aussi. Les choses ont bien changé depuis votre dernière visite, peut-être c'est grâce ou bien à cause de vous, et d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, comme vous le savez, rien de tout cela n'a vraiment d'importance. Donc c'est Ness et Elliot, hein, bien entendu. Ah, t'es déjà monté au sommet du Mont Alpha. Mon grand-père, il m'a dit qu'avant, dans la caverne, il y avait un gardien ou un truc dans le genre. À mon avis, il est derrière les rochers qui se sont effondrés. Mais on peut plus aller les voir, c'est dommage. Eh oui, c'est bien dommage. Ici, nous vendons des armes. Pourquoi faut-il qu'un homme se batte sans cesse? N'y aurait-il jamais quelque part un endroit paisible, sans guerre, où tout serait éternel? Question. Ah, le bouclier de... Regardons ce qu'il y a derrière. Donc il y a l'arme de Cloud, il y a l'Excalibur, celle du milieu je ne sais pas c'est laquelle, il y a le bouclier d'Hyrule, le bouclier Captain America, le dernier je ne sais pas. Vous cherchez quelque chose de particulier, vous dans toutes sortes d'art ici. Achetez collier de chance, épée du vent. Trouve-vous les coffres, ouais. Arda trouve tout, merci. Collier de chance. Nice. Ils prendront même ça, l'épée du vent. Alors, est-ce qu'on peut équiper... Voici le radar.
très très bien. Nice. Un coffre. Hey, une étoile de collection. Également. Vous avez entendu parler de Kuro, c'est le héros de notre village. Il a aidé Sid, le grand inventeur et fondateur de notre village, à fabriquer la toute première machine volante. Et puis soudain, il a disparu, pouf, sans laisser de traces. Certains racontent qu'il venait du fin fond de l'espace dans une machine qui pouvait voyager entre les dimensions. Vous y croyez, vous? Bah oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Donc il faut que je trouve 4 cartes et il y a un coffre dehors. Ok. Et on ne peut pas s'y sans l'autorisation du chef, il y a des ruines interdites par là. Ok. Bonjour, vous voulez une chambre? Mais vous êtes Kuro? Oui, il s'agit bien de Kuro. Ainsi la légende disait vrai. Vous êtes vraiment venu chercher ce que le grand inventeur Sid vous a promis? Y aura-t-il un problème? Ya, un démon au secours! Non, aucun problème, monsieur, aucun problème. Dire. Voyez-vous, il se trouve que le grand inventeur Sid a bien fabriqué votre machine volante. Et nous l'avons gardée pour vous. Nous l'avions même placée au sommet du mont Alpha pour que personne ne la prenne. Mais il se trouve qu'elle a disparu. Je suis vraiment désolé, je ne sais pas comment une telle chose a pu arriver. Elle était là, au sommet du mont Alpha, et elle s'est mystérieusement volatilisée. Pourtant, personne n'a été vu en entrant dans la caverne. Je suis vraiment désolé. Je me demande qui a bien pu commettre un tel vol, Solid Snake. Je suis vraiment désolé. Tenez, je sais ce que c'est que ce background, mais je vais vous autoriser à explorer les ruines magiques qui se trouvent non loin d'ici. Elles abritent un grand coffre que personne n'a jamais réussi à ouvrir. Et comme vous êtes le célèbre Kuro, je suis sûr qu'il ne vous restera pas bien longtemps. Des ruines magiques, un coffre mystérieux, excellent. Allons-y tout de suite, Kuro. J'hésite, est-ce qu'on y va tout de suite? Dommage que t'aies pas de machine volante. J'organise un super parcours et il y a un truc chouette à gagner. J'ai quitté la capitale pour venir m'installer ici. Le bon air frais et le calme de la montagne sont si précieux. C'est dommage que tant de gens ne comprennent pas, mais en même temps, si c'était le cas, ils viendraient tous ici et il n'y aurait plus moyen d'être tranquille. Ok, donc ce qu'on va faire, je pense qu'on va faire les ruines, hein. Attendez, je joue à une main là, voilà. Ah, le coffre est là-bas, d'accord. Nice. De la mana. À quoi doit me servir? J'en ai plus besoin. J'en ai encore besoin, bon. Attends, j'ai... Ah oui, non, je vois. Je comprends. Pour le gardien du vent, voilà, c'est ça qu'il a besoin. Ce coffre est une véritable ratée. Si j'en crois les inscriptions qui y sont gravées, il contient quelque chose de précieux. Peut-être est-ce que le fragment que nous cherchons? Pour le savoir, il faudra trouver comment l'ouvrir. On va voir où ça nous mène. J'ai un peu peur qu'il nous envoie dans un lieu dangereux. Que se passerait-il si nous arrivons dans un volcan au fin fond des océans? Qu'en dis-tu qu'on tente le coup? Non, en fait, on va le faire plus tard. Ça, on le fera une autre fois. Donc, je vais faire une petite ellipse, le temps de retrouver quelque chose d'intéressant. Allez, petite ellipse. Et me revoici. Donc, on va tout de suite continuer. Là, je suis allé sur l'île de Démonia. En troisième, en futur. Dans le futur, vu que le seul moyen d'y accéder, c'est comme ça. On va tout de suite y aller. Oh! Un bug. Ah, c'est bon. Y'a rien ici. Je vais faire beaucoup de... Maintenant, je vais faire beaucoup de fois de start pour voir ce qui me manque dans les zones. Là, on peut pas y aller tout de suite.
À gauche, il y a Démonia qui est encore plus détruite, on ira voir. Et peut-être des démons, qui sait, hein. Ah, bon, on peut même pas y accéder? Ah, on peut même pas y accéder, d'accord. On pourra sûrement y accéder quand... Quand on aura fait dans le passé... Enfin, quand on empêchera ça. J'ai vu qu'il y avait une île sur ma droite. Ah, on peut, je peux pas y aller tout de suite, on dirait. J'essaie de voir hein, ce qu'on peut passer ou ce qu'on peut pas passer. Il y a quelque chose d'autre sur la forêt des cils maintenant. Non. Ok, je peux pas passer par là, c'est normal. Là. C'est une petite île, je peux pas y aller. Ah, là je pourrais y aller. Il n'y a rien d'autre. Alors allons ici. C'est l'autre endroit pour les vikings. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Je pense qu'on va faire dans l'ordre. On va commencer par sauver. On va commencer par sauver Démonia. Pour cela, je vais retourner dans le passé. Ouais. Après, on fera les pirates, à mon avis. Dans l'ordre, on va faire Démonia, pirates, Sylve. Vallée du vent. Et en dernier on fera la caverne glacée. Voilà voilà. Donc on fait une petite ellipse et on se retrouve dans cette zone. Ah bah non, pourquoi je veux faire une ellipse? Je suis bête. Et qu'on y est déjà. Allez, allons-y. Allons faire la face Fire Emblem sur moi. Montrons-lui l'emblème, enfin la médaille de l'empereur. Mais vous avez une médaille de l'empereur? C'est une marque de confiance absolue. Ce qui veut dire que l'empereur souhaite que je fasse cause commune avec vous. Bien, je n'ai pas le choix, les ordres sont les ordres. Vous aurez toute l'aide que je serai en mesure de vous fournir. Talkin, avec l'aide de Talkin, vous allez pouvoir recruter et commander l'armée. Empêcher Magus d'atteindre Démonia. C'est bien ce que je pensais. Attention, une patrouille de l'armée de Magus. Ouais, c'est bien ce que je pensais, ça va être du tactical RPG. Nous devons les éliminer rapidement sans qu'ils donnent l'alerte. Celui-ci est exigeant quant à tes amis, tu es un stratège de talent. Je peux te confier le contrôle de notre future armée sans tout de savoir de tes capacités. Je te laisse le commandement. Ce sera une bonne façon de me montrer ce dont tu es capable. À l'attaque! Voilà.
Voilà. Points de vie, 36 d'attaque annulés. Ou plutôt prendre celui-là et attaquer. Chargeons-nous encore plus. J'aurais pas dû faire ça, c'est pas grave. Je suis vraiment pas très très fort en tactical RPG quand même. Rien faire. Ah si, nice. Parfait, quelle victoire éclatante. Solid Snake, tu as l'étoffe d'un gros commandant. Tu sembles décidément avoir de nombreux talents. Continuons à avancer pour trouver un endroit stratégique où établir notre campement. Notre campement papa. Donc là, il n'y a rien. Poste avancé. Rien non plus ici. Oula, merci pour le lag. Hein. Lag sonore pas. Parfait, ça doit être le campement de la patrouille que nous avons croisé. Installons-nous ici pour l'instant. Écoute-moi bien, Solid Snail. Pour mener une guerre, il nous faut des troupes. Je peux en faire venir depuis l'Empire. Plus nous remporterons de victoire, plus les troupes seront motivées. À l'idée de rallier notre cause. Va voir ce que tu peux faire hein, depuis la tente de commandement. Puis rejoins-moi pour sécuriser la zone. Rien de toute façon, je sais pas pourquoi je cherche. Y'a plus dans le temps de commandement. Recruterai une nouvelle recrue, ouais. Ok. Parfait, nous sommes désormais un peu plus puissants. Continuons à avancer. Alors. Nice bug sonore. Hein.
Faisons une formation. Je fais quelque chose d'assez spécial. Hein. Voilà. Allez, venez. Ok. Donc, très très bien. Ici. Voilà. Tendre. Il a combien de vie celui-là? 42 vie, il a combien d'attaque? Il a 40 d'attaque, mais il ne pourra pas one shot. J'aurais dû la fermer. J'aurais vraiment dû la fermer. Hein. Attaquons celui-là, attaquer. Elle fait 34 de dégâts, elle a combien d'attaques? 32? Ouais. Allez, ça va être facile. Hein. Et voilà. Je commence à avoir espoir. On va plutôt prendre des soldats d'abord. Ok. Ah, j'aurais peut-être dû économiser. Pas grave. Ce n'est pas grave. Donc. 1, 2. On verra bien. Pourquoi les démons m'attaquent? Je suis là pour les protéger.
Ok. Donc on fait la même technique, hein. J'ai combien d'attaques? C'est la même chose de façon. On se charge. Merci les bugs sonores, j'aime bien. On va tenter un petit truc, hein. Voilà. Waouh, les dégâts. Alors, rassemblez-vous tous. On se marre. Allez, plus frais encore. Ok. Donc, comment faire ça efficacement? Alors, comme ça. Pour la suite. Voilà qui devrait être bien. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Quel dommage. Je me fais assaillir de partout. Le personnage risque de mourir. Poussière de diamant. Thank you.
Ok. Oh, il y a une carte ici. Ok, eh bien nous allons nous arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout, s'abonner à la chaîne. C'était TheZDN pour le chat type en HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.